Carl Clutterbuck et puis Matt Martin. Mais là, Jean-Gabriel Pageau de donner le temps. Avec Zach Parisi, Hudson Fashing. Bon match, mesdames, messieurs. On donne en zone des Hurricanes dès le départ. Jordan Staal. On va par la bande à Gostisbehere. Il y a eu contact derrière le filet. Sur Bo Horvat. On a des reprises dans le coin. Barzal laisse sur Mayfield. Mayfield passe devant le filet. Ça a touché la jambière droite de Ranta. Au retour. Il y a l'occasion. Et Anders Nikang à la porte. Mais à nouveau, Ranta la solution. Ça va Martinuk. Par la rampe, à la pointe. Le tir de Slavin bloqué. Au retour, Fast récupère la rondelle au cercle. Fast pivote. Ça ira sous la mitaine de Sorokin. Il provoque l'arrêt de jeu. D'un coup, attirer l'attention envers son équipe. L'intervention de Sorokin qui vient sauver la situation. Nejas, Martinuk pivote. On verra ça à l'autre bout. Ça a été touché à la ligne bleue. Et là, c'est les Islanders qui attaquent. Barzal s'écarte sur la droite. Un tir bondissant. Arrête Ranta. Le retour appartient à Martinuk. Sorti sur la gauche qui avorte. Fast. Amène derrière le filet. Bâton soulevé. Ce sera récupéré par le capitaine Storm. Un tir spirale. Rondelle libre devant Sorokin. Fast. Arrête une belle occasion. Il n'y avait plus d'espace. Barzal. En avenant, c'est Dobson. Laisse à la ligne bleue. La direction. Passe d'entrée par Horvat qui voulait trouver Lee. Il a manqué l'espace de manœuvre. Pendant les Hurricanes. Pesci insiste dans le coin. La rondelle qui est libérée à l'arrière du filet dans le bureau. Un tir du revers à bout portant. Ça a été bien bloqué par le gardien Ranta sur Parisé. Ça vient à Barzal à la pointe droite. Barzal, la fin. C'est 4 sur la droite. Ça va aller derrière pour Barzal. On se laisse ça à Engvall au décercle. Engvall, c'est son embouchure. Le tir de Parisé bloqué. Retour. Devant le filet, envoyé vers le coin. Et le devant vers Lee. Là, sur sa droite, on trouve Barzal. Barzal, le tir, arrêt de Ranta, retour devant! Quelle occasion pour Lee qui rate la cible! Barzal, il va d'un tir et le retour généreux devant le filet. Et le tir qui va tout simplement rater la cible, mais à la pointe pour bloquer ce tir. Donc, bien vu de la part des officiels. Malgré ce que les spectateurs peuvent en penser. La prise de l'action, ça va derrière. Je ne sais pas si notre DJ pense qu'on va veiller tard avec sa chanson All Nighter. On est toujours à 0-0. C'est avantage numérique, la Caroline. Pour encore 1 minute 20 en morceau de cette deuxième période. Passe tantôt au centre intercepté. Sortie menée par Pageau. Pageau à Parisé. Parisé, la fin, tir du revers qui rate à la gauche de Ranta. Là, il y a une projection d'un joueur des Hurricanes sur l'arbitre qui souffre. Regardez, le tir va être dirigé au filet, mais par la suite, la projection de Brady Shea directement. Et je crois qu'il y a peut-être coupure. Là. Quelques moments, les Islanders qui vont de quelques tirs à l'endroit de Ranta. Avec des matchs de 2-1 et 3-2 jusqu'à présent, le premier but a toute son importance dans le match de ce soir. Ils ont déjà gagné par les Hurricanes. Un tir, arrête Sorokin, contact sur le gardien. Sorokin va refermer les jambières. Sans vouloir dire qu'il a été tenu au silence avec des doutes. On peut se compter chanceux que Draisaitl soit présent. C'est vrai, Cizik est renversé, c'est repris à la ligne bleue. Pour Marc Duravert, devant le tir de but! Casey Cizikas, 1-0 les Islanders. Il y a un revirement en sortie de territoire. Et Pollock qui contrôle la rondelle côté revers. Quelle vision pour remettre la rondelle à Cizikas qui, lui, s'était laissé oublier derrière. Il va y aller d'un tir sur réception, mais cette passe avec deux joueurs qui le couvraient de Pollock, elle est magnifique. Antti Ranta, son déplacement n'est pas assez rapide. La rondelle qui va à la pointe gauche. Dobson vers Engvall. Engvall à Dobson. Dobson, la fête, le tir! Est-ce que c'est à l'intérieur du filet? L'arbitre dit non. La foule était convaincue qu'il y avait but. Drury, on va entendre une sirène si jamais c'est le cas et on va interrompre le jeu. Ouais, Fashing qui... une cage béante du côté gauche de Ranta, mais va tirer à droite et regarder le geste des Et là, on est forcé à commencer à nouveau. Un revirement, deux contre un qui se dessinent. C'est Staal qui s'amène avec Fast. La passe à Fast, le tir. Sorokin touche au disque, le but. Staal s'amène et c'est 1-1. Un but en infériorité numérique. Incroyable. Et retenez justement ce jeu
nonchalant de la part de Barzal en avantage numérique. Il arrive avec beaucoup de vitesse. Il tente de déjouer tout le monde dans l'axe central. Et Jordan Staal et Jesper Fast, qui les deux vont encore réunir leurs efforts. Ils ont été les deux vedettes sur le but en prolongation dans le dernier match. Et là, à court d'un homme, la passe de Staal de l'autre côté à Jesper Fast et la rondelle qui se dirigeait tranquillement derrière Sorokin. Nelson qui semble y toucher. Le premier match est terminé 2-1 en temps réglementaire. Le second, 3-2 en prolongation. Nous voici à 1-1 à l'amorce de la troisième. Mayfield repart dans son territoire, enverra vers Perlec. Bonne neutre. Une balle sur la gauche. Nelson le tire à la Redranta. Entre en territoire adverse pour Barzal. Barzal au cercle. Relais arrière. Passe devant. Dévié par Horvat. Arrêt de Ranta. Il va conserver. Envoie dans les patins. Pour celui qui le couvrait, c'était Jack Drury. Voilà au cercle. Une occasion sur la droite. Le tir de Thompson. Arrêt de Ranta. Rondelle libre devant. Il y aura pénalité ou si le filet est déplacé. La passe sur Palmieri. Pajot récupère la rondelle libre dans le coin. Ramènera son défenseur. Voilà Pajot. La passe. Ao. Le tir dévié devant le but. Carl Palmieri. En avantage numérique, c'est 2-1 les Islanders. Bien positionné, les défenseurs des Hurricanes très agressifs à l'extérieur des points de mise en jeu. Regardez Palmieri qui va positionner son bâton même à l'extérieur du filet. Il le veut se lancer. Le tir n'est même pas cadré de la part de Aho. Mais Palmieri le sait très bien, a confiance en ses moyens et va rediriger ce tir dans la lucarne. Mayfield, relais sur la droite, redirigé par Palmieri. Sur la gauche, Martin à Palmieri. Palmieri vers Martin, le tir de but! Matt Martin, 3 les Islanders! Un autre membre du quatrième trio qui s'inscrit à la marque ce soir. À l'entrée de territoire rapide, on a été trop agressif en territoire offensif de la part des Hurricanes. Et le tir de Martin est rapide. Certains qu'Antti Ranta aimerait revoir ce tir. Il se laisse déporter vers sa droite. La rondelle qui va frapper le poteau avant d'entrer dans le filet. Et l'attaquant robuste des Islanders. La mise en jeu. C'était laissé devant par Staal. Une seule main. On a le point. Il y a Nelson qui a perdu. Là, en plongeant le dégagement de Mayfield qui va toucher la cible. Scott Mayfield qui marque dans une cage abandonnée. C'est 4-1. Trouver derrière 0-3 face à une équipe comme les Hurricanes, ça devenait quasi impossible, mais on a eu une bonne performance de l'appui du quatrième trio, l'avantage numérique qui s'est réveillé. Antoine Monceau à maison pose la question s'il annonce le troisième but. Les deux buts de retard présentement. Pollock demande qu'il a saisi que c'est le tir dévié le but. Il a 3 buts de retard maintenant. C'est 5-1. N'en jetez plus, la cour est pleine. Bien fait de la part de Pollock pour garder cette rondelle à l'intérieur du territoire. Habilement dévié de la part d'Endersley. Un temps profond dans son demi-cercle par contre. Péché qui dit à la revoyure à Carl Palmieri. Thierry va se poursuivre dimanche. Niveau d'émotion qui a monté de quelques crans.